Bienvenidos au golf Isabella. Isabella, Isabella, chichix. C'est tirer des balles. C'est un peu difficile au début, mais après ça va. Bah là, ce soir, j'ai essayé de tirer sur une cible avec des balles qui collaient et j'ai essayé aussi de tirer sur une balle. J'ai trouvé ça bien, j'ai bien aimé. Alors, édition très particulière, on a dû s'adapter avec une fin un peu prématurée à 22h, mais du coup, on a gardé la partie nocturne de Golf Experience. Cette année, on a la chance d'être accueillis au Golf Isabella. Très très beau golf et... Le golf et ses membres nous ont accueillis de manière très chaleureuse et nous ont permis de faire un très bel événement avec un parcours éclairé, du practice. Mais on permet aussi aux débutants de jouer pour la première fois au golf avec des bénévoles qui sont là pour les encadrer sur des stands de practice, mais aussi de putting, de petits jeux d'approche. Des jeux très ludiques avec une cible géante qui nous a été apportée par la Ligue de Paris. On a des ateliers pour les enfants aussi, donc on a l'ambition de créer un événement qui permet à tous de jouer au golf, que ça soit pour la première fois ou alors pour les habitués de jouer d'une manière différente. Bah, c'est pas évident parce qu'on ne se situe pas dans l'espace. Donc du coup, comme au golf, on a besoin de savoir où on est pour notre trajectoire. C'est pas facile. Bon, on joue plus mal, hein, ça c'est sûr. On est beaucoup moins performant, mais bon, après, voilà, il n'y a aucune compète, c'est juste pour le fun qu'on vient. C'est une expérience hors du commun et pour tout golfeur, hein, qu'il soit novice ou confirmé, faites cette expérience, vous ne serez pas déçus. Ouais. Oh, il y a la musique, bonne ambiance, tout le monde est... On est avec nos potes. Hein. Aussi, et avec une pote aussi, elle déchire tout. C'est bien. Ça. Focalise vraiment sur le contact de balle et c'est intéressant. C'est assez perturbant, ouais, aussi. La balle n'est pas la même, c'est pas la... Ah oui, c'est aussi. Allez. C'est un vrai caillou. Hein. C'est plus dur. Mais top, top. Ouais, top. On adore. Alors ce soir, on est là pour initier les débutants au golf. On est là depuis, ça fait une dizaine d'années que l'on fait ça au niveau de l'aglo, c'est la Ryder Cup. On fait le scolaire. On va faire, j'imagine, les Jeux Olympiques bientôt en préparation. Donc voilà, c'est un partenariat très sympathique en plus. Ça crée une osmose déjà au niveau de l'aglo, au niveau de toutes les communes qui font partie de 51 Yvelines. Tout le monde a le même esprit de vouloir promouvoir le golf et le démocratiser. Là, vous voyez, c'est des jeunes. Hein. Donc c'est quand même important que les gens aient la curiosité, les jeunes en particulier, aient la curiosité du golf et qu'ils soient... sentent que c'est démocratisé, que c'est accessible. Aguardientes.